Quand le département du Nord m'a proposé de réaliser un film sur les multiples actions d'insertion à l'emploi qu'il développe sur le Cambrésis, j'étais pas emballé, je fais pas trop dans la promotion. Et puis cette question de l'insertion, ça m'a titillé. Dans une société du travail où l'emploi est au cœur du système, il faut bien trouver des solutions vis-à-vis des chômeurs. Et dans le Cambrésis, le taux de chômage est de 12%. Il faut donc agir. Et comme je ne suis pas un pro de l'insertion, je me suis entouré de vrais connaisseurs. Gabriel, Ludo, Laurent, Alex et Joe sont allocataires du RSA. Accompagnés par Marine et Amélie, deux médiatrices sociales, ce film, nous l'avons réalisé ensemble. Après une séparation, une maladie, un décès, un accident, bref, trouver ou retrouver du travail, c'est complexe. Quand on est hors réseau, hors cadre, hors normes ou déconnecté du monde, tout simplement. Pourquoi j'anime un atelier théâtre ? Parce que le théâtre, c'est aussi un outil pour se rencontrer soi-même, que c'est un outil pour rencontrer les autres, et que c'est un outil, surtout pour moi en tout cas, pour faire marcher notre imagination. En fait, le principe du théâtre, c'est quand même qu'on n'est pas dans la vie. On est sur un plateau et on met en place un cadre qui fait qu'on peut être autrement que ce qu'on est. Et de se découvrir du coup aussi, après il y a des vases communicants, mais l'idée c'est que justement on n'est pas comme dans la vie, on a le droit de ne pas être comme dans la vie. Est-ce que ce genre d'atelier permet de se reconnecter à l'emploi ? Je ne suis pas sûr du tout. Ça permet de garder un peu le contact. Parce qu'effectivement, les gens qui se retrouvent sans emploi ont quand même tendance à s'enfermer un peu chez eux, à ne plus sortir. Et donc ça permet de conserver un peu le contact, de voir des gens, et c'est quand même assez important, je pense. Hein. On oublie tout pendant 3 heures, c'est bien. Bah, donné que je suis au chômage, qu'est-ce que j'attends ? Bon, bah, qu'on s'en sorte, et pas rester enfermé chez soi, quoi. J'étais timide, et là, ça m'apprend à m'affranchir plus. Pour mon avenir professionnel, étant donné que je suis au chômage, ça m'apprend à mieux m'exprimer. Et oui, le théâtre, c'est une ouverture. C'est une étape pour retrouver confiance et pourquoi pas un emploi. Alors c'est vrai, les résultats de ce type d'action ne sont pas quantifiables ou chiffrables. Mais l'insertion par la culture, le spectacle vivant, les pratiques artistiques, c'est primordial. Et pour tout le monde. Un des freins au retour à l'emploi, c'est la mobilité. Quand on sait qu'un Français parcourt en moyenne 45 km pour accéder à son lieu de travail, on se doute qu'avoir son permis de conduire est un plus. Du coup, le département finance des permis de conduire aux allocataires du RSA avec le dispositif WeMove, dont la participation s'élève à près de 80% du coût de l'action. Il est possible aussi, comme Esther, de se rapprocher des auto-écoles sociales. Le permis ? Oui. Ben, travail surtout. Travail. Et aussi pouvoir partir faire des balades avec mes enfants ou même faire des courses. Avec les bus, c'est très compliqué. Donc pour avoir des horaires qui correspondent, c'est difficile. C'est pour bientôt ? En principe, oui. On va croiser les doigts. Ouais, on va essayer. On a publié le profil emploi mardi matin et vous avez été appelé par un employeur mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Au niveau timing, on peut difficilement faire mieux. Ça a été ça me saoule. Ouais, ça me saoule. Voilà, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont proposés. Donc bah, on me proposait plus de formations, tout, et ouais. C'est... Qui ne bah... correspondaient peut-être pas forcément à la limite, ou ouais, t'avais qui n'ont pas apporté autant. Autant de formations, puis tout, ouais, ça me saoulait. Ouais. Et du coup, bah, en fait, je vois que c'est intéressant, en fait. Et celle-ci, elle t'a saoulée quand on t'a... quand t'es arrivée ici ? Est-ce que ça t'a saoulée ? Franchement, oui. D'accord. Oui. D'accord. Mais franchement, le non, du coup. Mais tu t'es finalement rendu compte que, voilà, que ça t'a servi à quelque chose ? Bah, en fait, tous les trucs qu'ils me proposent, c'est bien, quoi, en fait. Bah, tu m'étonnes que c'est bien. Une formation et hop, un emploi, c'est top.
En fait, les allocataires du RSA sont soumis à pas mal de formations ou divers ateliers, et comme dit Lucie, ça peut saouler. Mais il faut s'accrocher, la preuve. Tester, c'est aussi se créer des opportunités et donc avoir des possibles débouchés derrière. Avant de commencer ce contrat d'insertion, j'étais maman au foyer, alors j'avais perdu quelques habitudes au niveau professionnel. Je me suis rendu compte que j'avais des capacités. Parce que des moments où on a des doutes, on se dit « est-ce que je suis capable de faire quelque chose de ma vie ?» Ce contrat m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en moi, à me lever tôt pour aller au travail, reprendre des habitudes sociables. Les salariés qui arrivent chez nous ne sont pas spécifiquement formés à l'agroalimentaire, au maraîchage ou à l'espace vert. Donc on se sert de ça pour les réinsérer dans la vie active. Le premier travail, c'est l'accompagnement. Après bio-cambrésie, vous repartez faire ce métier. Oui, voilà, en climatisation. En climatisation, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous devez passer par bio ? En fait, parce que par rapport à une séparation, j'ai perdu pied dans le boulot, quoi, tout simplement. Voilà. Et ici, ça vous permet de... De remonter à la surface. La porte, voilà, tout simplement. Je suis rentrée bio à Cambrésis il y a un mois et demi. Et qu'est-ce que vous apporte de rentrer... Alors moi, déjà, une première expérience, parce que j'ai jamais travaillé. Avant, j'étais mère au foyer. Et là, je vais passer le concours d'aide-soignante. Donc, ils me permettent d'aller en formation, faire des stages pour moi valider le projet. Ben, comme je disais, on n'avait aucune expérience avant. Donc, ma mère au foyer, donc prendre des horaires de travail, toucher un salaire, ce qui m'a permis de m'inscrire au permis, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et dans mon projet professionnel, la seule étape qui manquait, c'était le permis. Donc grâce à mon salaire, j'ai pu enfin m'inscrire. Bah déjà, c'est de travailler. Travail avant tout. Ouais. Parce que moi, j'ai travaillé dans une usine de fil à moquette pendant 9 ans. Où j'ai eu rupture de la coiffe des rotateurs. Et quand j'ai repris mon travail, 6 mois après, au bout de 15 jours, j'ai fait un infarctus. Ah. Donc ils m'ont mis inapte au travail. Eh bien. Gentil. Du coup, ben, j'ai beaucoup de mal à retrouver du travail. Alors maintenant qu'on a repris goût à l'emploi, qu'on est moins timide, qu'on a le permis de conduire, qu'on a un CV en ligne, une maîtrise de l'outil informatique, on a toutes les chances de trouver un travail, vous pensez ? Eh bien, pas forcément. Du coup, le département a mis en place des actions d'accompagnement qui vous permettent de concrétiser votre projet. Avec le PLI, par exemple, le plan local pour l'insertion et l'emploi, on vous offre un suivi personnalisé avec un conseiller, une sorte de coach au retour à l'emploi qui vous propose des solutions, des formations, des ateliers cohérents, qui cherchent avec vous du concret. Alors Audrey, je vous propose qu'on fasse un petit point sur le parcours. L'association Action à Avesnes-les-Aubers mène également ce type d'accompagnement par la mise en place d'un projet expérimental. Les allocataires RSA sont positionnés en tant que stagiaires dans des entreprises partenaires locales. Puis ils montent en échelon de manière progressive pour décrocher un CDD. Ce qu'il faut dire, c'est pas que la personne, il faut avoir, même si l'objectif c'est le CDD, s'il n'y a pas eu de CDD, c'est pas grave. Le département met en place énormément de choses pour se dire, ben voilà, on change de cap et on prend une autre orientation. Parce que si on n'est pas proche de l'emploi à un instant T, il y a juste encore un petit travail à faire pour vraiment retourner à l'emploi. Je suis Stéphanie Fichetti, je suis la responsable de Cambrai Recrutement Conseil, qui porte le dispositif IODE, qui est un dispositif financé par le département et par le Fonds Social Européen. En termes de travail, nous travaillons avec les entreprises du Cambrésis, donc Cambrai, Caudry et Le Cateau. Pour imaginer un peu la chose, l'employeur va chercher un carré, nous n'avons que des ronds, donc on va essayer de faire en sorte que l'employeur arrondisse un peu ses angles pour que le poste corresponde à notre candidat. Alors moi j'étais maman au foyer, j'ai 2 petites filles et donc j'ai entendu parler de Cambrai Recrutement Conseil parce que je cherchais un emploi. Et donc j'ai été là-bas en octobre, fin octobre 2016 et ils m'ont trouvé le travail à Soufratel au mois de novembre.
Pour l'instant, je suis bien à mon poste, donc si je peux rester dans l'entreprise, je resterai. Et après, s'il y a de l'évolution, oui, pourquoi pas, je ne vais pas dire non. Voilà, disons que je sais que pour l'instant, j'ai un avenir qui est fait pour au moins 6 mois. Après, on verra comment ça va tourner, quoi. Mais pour l'instant, voilà, c'est... Pour l'instant, je sais que pendant 6 mois, il n'y aura plus trop de problèmes. L'issue de Cambrai Recrutement, c'était bien. Ça m'a remis dans le bain. Avant, j'ai fait 2 entretiens. Et bon, bah, ça n'a pas abouti, mais ça m'a permis de me remettre dans le bain pour me représenter, etc. Puis d'aller vers les entreprises, justement, retrouver le chemin des entreprises. Ah oui. On passe clairement de l'oisiveté à quelque chose de presque, j'étais arrivé presque marginal, quoi, en quelque sorte, parce qu'on m'avait reculé. On m'avait collé une étiquette de cassos, voilà, faut le dire clairement. Puis ben maintenant, c'est bon. Ouais, je suis revenu parmi les travailleurs, parmi les vivants. Voilà, on ne pourra pas dire que le département du Nord ne se mobilise pas pour l'emploi. Que ce soit des ateliers, des formations, des accompagnements, des coups de pouce financiers, il existe des solutions pour trouver et retrouver du travail. Mais déjà, faut-il avoir envie de tester, envie de sortir de chez soi et ne pas baisser les bras.